Salut les voyageurs, nous voici dans le contexte de notre périple de l'été 2020 qui nous a amené depuis maintenant 3 épisodes sur la côte atlantique. 2 épisodes France Passion, la découverte de La Rochelle et nous découvrons maintenant le premier camping appelé Le Verger où nous avons séjourné ainsi que ses alentours. Le camping est situé à 8 km de La Rochelle, ce qui est extrêmement pratique, comme vous pouvez le voir. Chacun des points verts, ce sont d'autres campings un peu plus proches, mais vous le savez, nous choisissons des campings relativement éloignés et nous déplaçons ensuite en scooter. Comme son nom l'indique, c'est un grand verger, très simple, et il y a la possibilité de parquer de grands camping-cars dans une partie seulement, parce que qui dit verger dit arbre, à branches relativement basses. Ce camping est bien équipé, il est simple et n'est ouvert, ce qui est assez étonnant, que 2 mois dans l'année, c'est-à-dire juillet et août. Les emplacements sont moyennement délimités, y compris pour les caravanes, comme vous pouvez le voir. Pour la partie camping-car, c'est en fait un grand champ avec très peu de petits arbres. Il y a un petit plan d'eau. Les sanitaires sont agréables, suffisants. C'est un camping simple pour les amoureux de la nature. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les propriétaires du camping organisent la venue tous les soirs de food trucks différents qui vont des plats asiatiques jusqu'aux crêpes en passant par les pizzas. Et il suffit de se présenter à ce moment-là le soir à l'arrivée des food trucks pour pouvoir simplement passer commande. Petit épisode embarrassant, impossible de faire fonctionner un grill d'à peu près 1000 watts, puisque l'ampérage n'est pas suffisant dans ce camping, on a été prévenu après coup. On doit être aux alentours maximum de 5 ampères. On s'est donc rabattu sur le grill Kadak à gaz. Au niveau des tarifs, cela reste très raisonnable dans la mesure où on est à un camping aux alentours de 20 euros pour 2 personnes avec un camping-car. Bien sûr, c'est un camping simple, il n'y a pas de piscine et cela baisse nettement les tarifs. Cette zone ostréicole permet également la pêche au carrelé. La pêche au carrelé, c'est un genre de grand filet carré dans lequel, quand la marée est montante, toujours dans ces zones où il n'y a pas beaucoup de hauteur d'eau, on a la possibilité de mettre un appât et de remonter régulièrement ce carrelé pour voir si certains animaux s'en sont approchés. La zone ostréicole est caractérisée par une zone dans laquelle la marée n'est pas très élevée et où il y a la possibilité pour les ostréiculteurs de venir en tracteur tout près de bras de mer qui persistent même à barre basse à partir du moment où on y va avec des bateaux à fond plat. Ici l'exemple d'un tracteur qui permet à l'ostréiculteur d'amener et de transvaser finalement les huîtres qu'il est allé récolter un petit peu plus loin en bateau et ensuite il revient tranquillement à terre en tracteur.
dans la région, bien entendu, on peut retrouver La Rochelle. La Rochelle fait l'objet d'un des épisodes précédents. Bien sûr, il existe, notamment près de La Rochelle, deux îles principales, l'île de Ré, celle du Haut, et l'île d'Oléron, celle du Bas. Nous n'avons pas parcouru l'île d'Oléron. Par contre, pour l'île de Ré, ce fera l'objet d'un prochain épisode. En conclusion, ce verger, ce camping du verger, nous a permis finalement de nous loger de manière simple mais confortable, tout près du littoral atlantique, dans la zone de La Rochelle et des îles de Ré et d'Oléron. C'est un camping très recommandable. Par contre, comme vous l'aurez compris, il ne faut pas perdre de temps parce qu'il n'ouvre que 2 mois dans l'année. J'espère que cet épisode t'aura plu. À bientôt. Merci pour le pouce bleu. Au fait, n'oublie pas de t'abonner. Et à bientôt.